Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4, l'héritage bourguignon. On avait terminé une guerre avec la France, on avait vassalisé nos amis bourbonnais et Berry, je sais même pas comment on les appelle les habitants du Berry, les Berrichons. Aucune idée. Bref, peu importe. Alors, on va avoir des rebelles barois. J'imagine que les rebelles barois doivent être au bar. Alors, donc, ouais, nouvelle session de tournage pour moi, qu'est-ce que tu me fais ici? Une barque. Tu me fais une barque. Oui, parce que j'ai demandé... Ok. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai 5 navires, dont 2 de guerre. Regardons au niveau des forteresses alors. Ah mais non, mais on les paye pas du tout, j'ai des bêtises. On va les garder sans les payer, on les payera quand on fera les guerres, c'est pas grave. Toi, je sais pas où tu vas. Pourquoi t'es bloqué? Ok. Donc là on a quoi? Du 24-0. On va vous supprimer. On gagne beaucoup d'argent. Donc on va commencer à faire des canons. Disons, ouais, pour l'instant 1. On peut prendre une doctrine. Non, on va attendre. On a l'institution. Ouais, ok. Donc qu'est-ce que j'attends? C'est quoi ça? Relation diplomatique plus 1. Je suis à 5, sachant que j'ai 2 vassaux. Autriche-Castille-Naples. Bon, niveau alliance, ça va. Est-ce que j'ai besoin d'un autre vassal? C'est qui? C'est le Dauphiné. Ouais, je pourrais être vassalisé aussi. Ah, comparaison entre les assises économiques. Mais je pense que ça doit passer avec... Donc ouais, on va la prendre. Et... À mon avis, je pense qu'on peut, arriver à augmenter ça. Mariage royal, attitude. On va améliorer les relations. Et j'ai amélioré avec le Brandebourg, c'est vrai, en cherchant une alliance. Ok, donc faudrait, quand on attaque la France. Donc on est jusqu'à 80, jusqu'en 93, ok. Fais-moi un deuxième canon ici. Ok, niveau argent ça va, on est bien. On a 2 mecs niveau 2 déjà, c'est pas mal. On a un focus diplo, oui, c'est normal aussi. Ok. Les forteresses coûtent... ça coûterait le double en fait, hein, vu que je paye la moitié là sans les maintenir. Voilà, donc on serait à 4,54 de plus, donc on n'a pas les moyens encore. Peut-être avec les navires en plus, ou même pas, non, parce que je suis en train de... de renforcer ici, alors ouais, viens ici plutôt. Parce que là, ouais, du coup, on va. Ah non, 6. Est-ce que je peux maintenir mes forteresses? Parce que je crois que. Ah non. Non, mais il n'y a pas d'intérêt à les maintenir, ok. Donc, viens là. Donc, t'es vassalisable, pas encore, bientôt. Revient du coup. On parlait d'attaquer la Savoie qui serait à peu près gratuite. Le Dauphiné viendrait si on lui donnait des terres, mais franchement il n'y a pas besoin. Alors ça ferait venir Liège. Liège, est-ce que j'ai une revendication? Oui. Niveau expansion agressive. Ah, on est à 34, ça passera pas. Ça passera pas. Ce qu'on peut faire, donc remontre-moi Palatina Berg, Palatina Berg Cologne. Ok, améliorons les relations déjà. 34, Berg, 34 aussi.
et on a dit Cologne. Le but c'est de les faire passer à 50 pour pas qu'ils puissent rentrer dans la quoi. Oui. D'ailleurs on est passé en dessous. On est en dessous des 40 des 50 démonstrations de force. Je subis ou j'impose? J'impose qu'à la France. Ouais, Angleterre-Danemark, faudrait. Faudrait vous mettre des petits embargos. On a une trêve avec l'Angleterre, d'accord. Oh, ouais, plutôt. Ok, les ordres, on doit pouvoir... Qu'est-ce que vous voulez déjà? Ah, il me faut 30%, ouais, c'est pour ça que je faisais les bateaux, on est à combien? 21. On collecte 5 ici. Après, je te mets commerce hostile, est-ce que... Ouais, profit maximal serait mieux. On reste à 21%, ok. Des points, oui. Carrément. Donc, bon, on retournera à Cologne après avoir déclaré la guerre. Ce qu'on va faire déjà, c'est ça. Tac, la Savoie. Ah ben les trois lignes viennent plus, parfait. Prendre... on s'en fout en fait, c'est pas spécialement prendre ça qu'on veut, c'est prendre ça surtout. Donc peu importe, Brescia ou Chambéry. Donc, coup d'attaque militaire, très bien. Niveau 3, donc. Voilà, vous pouvez venir là. Alors du coup, là, on paye nos forteresses. Ouais, ça va, on passe, ça passe. Bon courage pour arriver à passer, pour la Savoie. On a nos vassaux en plus, c'est vrai, je les ai oubliés. Bon, tu sais quoi, la France déclare la guerre à la Bretagne, on va venir là. On est d'accord qu'il y a qui Mantoue, Montferrat. Bon, Mantoue avant qu'il demande les axes militaires, ok. Et Montferrat, tu dois être à côté, ouais. Bon. Ça va se faire gentiment. Württemberg. 3 ligues et Mulhouse, oui. Memmingen, 3 ligues et Mulhouse, ok. Cologne, on va améliorer les relations. Et ensuite, on va faire passer à 50 ceux avec qui on peut... Au fait, oh, on est toujours très très loin, ok. Oui, un axe militaire. Ah ok, c'est le Berry, j'ai eu peur, je croyais que c'était la France. On contrôle Brescia, parfait. On va revenir se mettre là, j'ai un peu que des canons. Enfin non, j'ai pas que des canons, mais... j'ai pas le gros de mes troupes, donc on va laisser faire. Ouais. Attends, on pourrait prendre ça alors. Munis d'entretien naval, combativité des galères, puissance commerciale de la marine, je préfère, je pense. Ça me coûte 130, on le fait. Trêve avec Angleterre et Kildar a expiré, ok. Alors attends. On va faire ça. Pourquoi je peux pas les fusionner? Bon, c'est pas grave. Tac. Tac. Voilà. Alors, attends, il y a du mouvement, mais... Non, ça va, non, non, ça va. Ah, Mantoue est là. Reviens. Avec qui j'ai de l'expansion agressive encore? Attends, non plus vers le nord, là. La frise, voilà. Bon, ils vont s'embêter sur les forts de nos vassaux, c'est pas très grave, ça. Ils sont 10 000, là. Bon, les nos vassaux, ok, mais... On va voir comment ça évolue. La frise, ouais, qui d'autre?
Cologne. Cologne, Berg, Palatina, tiens, Trèves. Ouais, on peut améliorer encore. Ok, ils ont éclaté mon fer, c'est très bien ça. Par contre, c'est un fort de niveau 3, tu m'étonnes. Qui galère. Il est fort de niveau 3 en Italie, quoi. Je vais t'y laisser parce qu'on est juste au-dessus des 51. Là, tu peux revenir. Remontre-moi. Wittenberg, mission de Jean Guerre. Francfort, pourquoi pas. En Dortmund. Bon, ah, parfait. Ouais, j'en doute pas, Liège. Des meutes. J'ai coincé des bois. On va espérer qu'ils finissent pas le siège avant. Alors, attends, reste là. Parfait. Oui, un accès militaire, carrément. Ça devrait être un stack web, je pense. Non. On va attendre de passer à 50 avec Trèves avant de faire une paix avec Liège. Parce qu'en fait, là, ce que je veux... Ah, j'ai pas de diplomate. C'est vraiment juste Liège. Dans un premier temps. Toi, on est loin de la vassalisation, un peu. Ok. Ok, est-ce que ça passe? Non. Tellement tout, je rêve. Bon, Ferra, je pense que là on peut... zéro, parfait. Reviens. Non, tu veux pas sortir. Hein. T'es reloin. Fort de niveau 3 aussi. Ils sont relous avec leur fort de niveau 3. Donc, qui en aurait la colonne toujours? Aix-la-Chapelle. Liège, ouais, j'en doute pas, mais c'est pas toi que j'ai envie de sortir. Toi, tu vas sortir en dernier avec les autres. Enfin, avec les autres, avec la Savoie uniquement. Ouais, j'ai pas de mec dispo. Putain, ils ont fait une brèche dans les murs. C'est vraiment relou. Ah mais t'as des troupes ici, d'accord. Bon, ils sont en moins 21, ouais nous aussi en même temps. Alors, on peut prendre une tech, on la prend. Nouvel ensemble de doctrine. Donc j'ai pris diplo, hein. L'espionnage va nous servir un moment là pour l'impact de l'expansion agressive ici là. Étant donné qu'on va avoir des guerres de religion, je pense qu'on va... commencer à prendre les religieuses. De l'argent, du prestige ou de l'argent et du prestige? De l'argent et du prestige. Ah, on passe à zéro. Il y en a une brèche eux aussi. Ouais, j'en doute pas, j'en doute pas. Dis-moi que tu t'en vas, s'il te plaît. Putain, que t'es relou. Tu me donnes quoi? Un diplomate? Ah, ça me tente très bien. Qu'est-ce que j'ai, là? Bureau de recrutement, morale navale, portée coloniale. C'est pas une urgence. Après, j'ai des vassaux qui sont tech 5 et 6. Je pense pas qu'ils vont saouler par rapport au malus, mais le diplomate en plus...
Et donc tu sais quoi, je vais te mettre d'office chez les pays outragés. Ouais, Munster, très bien. Putain, ça se joue à rien du tout, hein. Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est aller leur faire peur, hein. Voilà. Parfait, c'était le but. Opinion de Suisse qui s'améliore, très bien. Qui es-tu? Goslar, tu es là-bas, ouais. Oui, tu peux passer. Voilà. Ça flippe un petit peu. On va essayer de pas se taper les rebelles français par contre. Voilà, on se regarde. En chien de faïence. Là, ça va tomber. Yes, bonjour Monferra. Répat de guerre, transfert de puissance, t'annules toutes tes alliances. Et ciao. Merci. La Savoie, ce serait bien que ça tombe. Ah putain, il manque des mecs. Ok. On va venir aider. Sinon... On va prendre une plombe. Reste-y. Voilà. Ici, on va mettre Bourbonnais. On va dire aux dépendances d'assiéger. Voilà, ça va, c'est réglé. Maintenant, on va éclater eux. Ça, c'est qui? Florence, t'as pris Alberg. Voilà, le Bourbonnais y va, c'est très bien. Alors. On va pas jouer à trap-trap, les gars. Est-ce que j'étais là? Non. Le temps joue pour nous parce qu'en fait, chaque année, on perd un point ou deux ou trois. Je sais plus exactement. D'expansion agressive au shop sur des prairies, très bien. Non, tu m'as dit qu'on est chopé. Alors, attends qu'il se lock. C'est quoi ça? Un manœuvre, ça devrait compenser le franchissement de cours d'eau. Mais il a combien de manœuvres, le gars? Il a zéro. Tu viens de me dire que je l'ai chopé. Ok, on est sur quoi? Démarrer. Lancer des pour attaquant, super. Il a réussi à voir ce qu'il voulait. Combattier de l'artillerie, très bien. Tu vas où? Oh, Poitou, à mon avis, tu vas aller ici. On va éclater un manteau avant. Ils sont où les mecs? Oh, mais putain, arrêtez de jouer à trap-trap, sérieux. Je vais t'envoyer où? À mon avis, tu vas aller là. C'est ta seule province encore safe. On va te la prendre. Oh, mais que c'est relou, mais que c'est relou, mais que c'est relou. Chez qui? Aix-la-Chapelle, je vais t'y laisser. Voilà. Ok, super. Mantoum, à ton tour. Vous, ce serait bien de... On peut pas recruter un mec là, rapidement, pour aller les aider. Hop, voilà. Oh non, mais c'est mort, hein, n'y pense même pas. Voilà. Impeccable. On revient, non, on revient ici. Et toi, je te paye du coup, super. Bon,
je pense qu'on est safe. Ici, on peut... D'ailleurs, attends, je vais la renommer, cette flotte. Protéger le commerce. Non, pas protéger le commerce. Pratiquer la course. Ouais. Normalement, je te sens, nous, on collecte ici, hein, si je me trompe pas. Ouais, capital économique, on collecte là, nous, donc ça va. On peut pourchasser là, enfin, pratiquer la course ici. Ça va augmenter, voilà. On a pris presque... On a pris 11 points de démonstration de force, très bien. Par contre, on a baissé notre niveau de notre puissance commerciale dans le nœud. Vous allez là. Tiens, toi tu vas aller là d'ailleurs. Perdu notre général. On va reprendre un qui est tout pourri. On va reprendre un autre du coup qui est un peu mieux. Oui, le régiment d'élite, c'est-à-dire qu'on a passé un niveau de... Ouais, on est passé niveau 1, ce qui nous donne... Coût des mercenaires baissé, réserve des mercenaires augmentée, capacité de siège, ça c'est bien. Ouais, le professionnalisme c'est vraiment énorme. Dommage de feu, dommage de choc, perte d'entraînement militaire baissé, impeccable. Mais d'ailleurs, entraînez-vous. Je viens de le mettre, c'est pas pour que tu me dises que je peux l'enlever de suite. Ok, là on va venir ici, on va bien faire durer la guerre, hein. Il n'y a pas d'urgence. De toute façon, niveau expansion agressive, on est à combien là? 18. Cologne a été à 34, voilà. On est à 23 maintenant, c'est très bien. Donc du coup on peut mettre chez les pays outragés le dernier gars. Et il n'y a pas grand chose à faire de plus que se mettre en vitesse 5, je pense. Pas de rebelles, hein, enfin pas encore. Des points diplo, carrément. Toi, t'en es où de la vassalisation? Moins 27. Je sais, ça voit, je sais. Des points chez le pape, oui, d'ailleurs. On pourrait essayer de devenir un pape. Il a quel âge le gars? 57 ans. Ah ouais, vas-y, mets tous les points. Ce serait beau d'être pape. Pour excommunier la France, par exemple. Ah, 0, ouais, c'est bon, ça va se faire. Il faut combien de points? 25. Oh, c'est parfait, ça. 25 points, parfait. Si je monte tout. Hop, voilà. Donc, on va revenir d'ici et d'ici. Efficacité commerciale, oui, vas-y. Mantou. Mantou, tes sous, s'il te plaît. Répa de guerre. Hein. Ouais, tu m'annules tes alliances, tu gardes tes rivalités, voilà, comme ça t'en chies un peu. Toi, tu vas venir mourir. Toi, tu vas mourir aussi. Je préfère garder la place pour des canons. Liège. On veut ça. Alors, c'est là que ça va poser problème. Bon, ça devrait aller. Liège n'existera plus. Les autres, on est... On va s'assurer quand même. Munster. C'est bon, il y a la France, mais on en trêve pendant 5 ans encore. Utrecht, Constance, Francfort, Munster. Alors, Utrecht. Si je te trouve. T'as Munster, on est à 16. Ah, ils peuvent rentrer dans nous, quoi. Attends. Oui, carrément, on peut améliorer les relations. On va le faire comme ça, Munster. On a dit quoi? Utrecht. Je sais jamais où c'est Utrecht. On va faire ça comme ça. Bah oui, c'est pour ça que je sais jamais où c'est, parce que t'es ridiculement petit. Alors, on va essayer de les faire passer, d'en faire passer 4 à 50, et après on fera la paix. Utrecht, Constance. C'est par là, je crois. Brigance. Augsbourg. Trois ligues. Y'a pas les trois ligues d'ailleurs, maintenant?
Je veux juste Liège. Enfin, on peut faire plus ça, comme ça plutôt. Utrecht, Constance, Francfort. Quatorze, ouais. Améliorer les relations. Et Francfort. 12, ok. On va essayer ça un petit moment. On pourrait se passer de plus à la part des rebelles, mais... Oh, cool. Non, là on attend la tech. On va tous les faire passer à 50 là. Dortmund devient foyer de la réforme protestante. Alors on n'est pas loin de les faire passer à 50. Oh qu'il est nul. Par contre la succession elle est cool. Ah non, mais c'était quoi? Ah non, celui qui est mort. Ah non, on a la duchesse héritier. Ah non, mais je suis con, c'est une duchesse ou une marine bourgogne. Bon, il a une légitimité faible, mais derrière il est très bon, donc c'est pas grave ça. Non, attends un peu. Allez, bientôt. Impec. Liège et ton argent. Légitimé. Ok. La Savoie. J'imagine que là ça va puer un peu. Voilà, on va rien pouvoir prendre. Tu peux libérer la Provence. Tu gardes tes rivalités. Tu renonces à tes revendications. Non, je m'en fiche. Répat de guerre, transfert de puissance, ton argent. Qu'est-ce que je peux te demander d'autre? Histoire d'avoir une trêve bien longue, hein, c'est le but. Hein. Bon, ben oublie ça. Voilà. Ah, du coup, ils sont descendus. Pays outragé, on verra où ça va. On se tape les rebelles français, c'est génial. Partisans du prétendant de France, mais cette blague. Et on les a butés quand même. Merci, merci les Français. Ok, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Liège, d'ailleurs, c'était un bout d'une mission, si je ne me trompe pas. Intégrer les vers, c'est fait. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la Savoie, ouais. C'était où? Conquérir Liège. Ouais, il me faut ça encore. Hein. Cologne, Aix-la-Chapelle, il va falloir bouffer. Après, il y aura quoi? La Frise? Ouais, bon, on part en Nord, ok. Sécuriser les Pays-Bas, il faut quoi? Pas avant l'année 1650, bon, ok. Ça c'est les Alpes. Tradition terrestre supérieure à 80. Okay, on a un peu de marge. On a un peu de marge. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, comme je le disais. On va taxer des trucs aux ordres parce que c'est marrant. Ah, la contrôle des terres, super. Je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour la suite. Salut à tous.